Bonjour, je commence ici une série de vidéos jusqu'à Noël pour clôturer l'année et préparer la nouvelle année en ce qui concerne le business. Je m'appelle Goudron, je suis professeure de danse, coach somatique et aussi businesswoman. Et quand il y a une année derrière nous quelque part et que nous regardons déjà à l'avance, de l'avance, qu'on dit en français, maintenant je sais plus, on regarde à l'avance. Aïe. Bon bref, on s'en fout. Donc, vous savez ce que je veux dire. À ce moment-là, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut un peu clôturer, il faut regarder en arrière et savoir qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on a pas fait et qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire, voir un peu les faire un état des lieux et clôturer cela, faire la paix avec cela. Et aussi en même temps, on regarde en avant, voilà, j'ai trouvé, et là, on veut se projeter en avant et on veut ne pas refaire les mêmes erreurs, on veut réaliser ce qu'on n'a pas réalisé et on veut innover, on veut être créatif et on veut avoir toute cette énergie. Et donc, entre les deux, siège quelque part, c'est un très bon moment pour clôturer l'un et commencer à se mettre dans cette nouvelle énergie. Et alors que moi-même, je vais consacrer le temps entre Noël et le 6 janvier, cette période totalement magique pour faire des rituels et 12 nuits de Yule, c'est la période avant Noël où je vais faire une préparation pour que cette période-là de l'année, donc entre Noël et le 6 janvier, puisse être consacrée totalement à la magie et à cette magie de cette période de l'année qui commence. Et donc, dans ce travail préparatoire, aussi business-wise, donc, pour l'entreprise, pour mon business, ce travail a besoin d'être fait. Et j'ai un tas d'idées et un tas de petites tâches qu'on peut faire. Et donc, je voulais vous inviter ici, toutes les entrepreneuses, que vous êtes aussi sur ma page, que vous êtes danseuse, thérapeute, masseuse, que vous faites la sonothérapie, que vous faites, je sais pas moi, du shiatsu, tout ce que je sais, ou danseuse, je sais qu'il y a plein, 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 plein de professions qui sont présentées ici. Tant que vous êtes une businesswoman déjà, ou pas encore, peut-être que vous voulez juste vous lancer l'année prochaine, l'idée de vraiment faire ce travail-là, de clôturer 2017, 19, et de regarder en avant pour se lancer. Déjà, dans votre esprit, c'est un travail qui est important de faire maintenant. Et donc, ce que je vous propose, c'est de rejoindre le groupe Porteuse de projet, où nous allons discuter tout ça, où je vais faire aussi d'ici Noël, chaque jour, une petite vidéo avec une petite tâche pour motiver, pour pousser tout le monde à le faire. Rien que parce que moi, c'est le challenge que je me suis lancé, hein, mon ordinateur qui fait du bruit, le challenge que je me suis lancé à moi-même de vraiment faire ça et de mettre mon énergie là-dedans. Et donc, j'amène tout le monde qui veut faire ça. Donc, les idées sont absolument les bienvenues. Vous pouvez les mettre ici en dessous et vous pouvez évidemment rejoindre aussi le groupe complètement gratuit. Donc, profitez-en. C'est support de faire ça en groupe et avoir le support et cette bienveillance. Ça vous franchement de l'or et vous pouvez en profiter comme moi je suis professeure de danse et que je me suis spécialisée dans la connexion féminin sacré. Ce groupe, dans ce groupe, c'est vraiment un groupe de femmes tout à fait extraordinaires qui ont comme on dit en allemand le cœur au bon endroit et qui ont une entreprise, une activité où cette spiritualité, où cette connexion au féminin, il a sa connexion au sacré, a sa réelle place. Il n'y a personne là-dedans qui veut faire du business pour du business, pour juste faire de l'argent. Bien sûr, on veut gagner de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir inspirer les autres, pour pouvoir avoir plus de liberté et plus de visibilité et plus d'impact. Alors, ça, c'est tout à fait clair, mais le centre des femmes, le centre de ce qu'elles font, c'est vraiment de le faire avec leur cœur et avec tout ce qu'elles ont, toute leur expérience et tout. Donc, tu es la bienvenue.
dans ce groupe, évidemment. Les idées sont tout à fait les bienvenues. Je n'ai pas encore décidé si j'allais mettre toutes ces vidéos ici aussi sur ma page, puisque nous avons déjà une autre série sur laquelle nous travaillons ici sur ma page, qui est sur le fait de comment faire la paix avec soi-même avant que Noël arrive, pour qu'on puisse déjà être complètement dans cet centrage, cette stabilité à l'intérieur et vraiment profiter de Noël. Et voilà, je t'invite à m'accompagner là-dedans, à me donner plein d'idées, à me dire comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es en train de complètement flipper avec la préparation de Noël ou clôturer tout le truc ou tu t'écroules sous le travail ou l'inverse et qui est aussi stressant. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu peux m'envoyer des messages privés. Tu peux t'abonner à ma newsletter d'ailleurs que tu reçois par Facebook Messenger ou bien par email, comme tu veux. Et discuter ça de la manière que tu veux ici avec moi ou sur la page ou dans le groupe. En tous les cas, ça serait super chouette d'avoir tes idées, tes problèmes ou sur quoi tu voudrais que je parle. Mets-les ici en dessous, c'est avec grand plaisir que j'en tiens compte parce que la liste n'est pas encore cette série. Je l'ai fait comme ça vient, avec l'input que je reçois de mes porteuses de projet ou bien ici et aussi évidemment les idées que j'ai dans le groupe Samba et avec ma business coach Sigrun. Nous sommes toujours très, très, très inspirés. Une très belle journée, je te souhaite et à très bientôt, à demain en fait. Bisous, bye bye.